à toutes et bonjour à tous, c'est Romano pour la suite du walk de The Legend of Zelda A Link to the Past. Donc dans la vidéo précédente, nous avions récupéré de nouveaux objets comme une cape, un flacon, pas un bocal comme j'ai dit, un flacon pour mettre des choses dedans, puis d'autres trucs. Et donc dans cette vidéo, on va faire le cinquième donjon des ténèbres. Donc on va récupérer notre petit personnage et on va partir de la maison de Romano. Alors je vais faire une petite visite à une amie. Vous allez comprendre qui. On récupère un peu des cœurs. Parce que maintenant, vu qu'on a 4 flacons, il faut quand même que je les remplisse. Un minimum. Donc on va se dépêcher d'aller voir notre amie la sorcière, oui. Oups, je suis allé trop vite. Non, il y a une raison pour laquelle je suis quand même venu là. C'est juste pour la fée qui se trouve ici. Viens là, toi. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Oh, non, tu viens là. Voilà, c'était surtout pour ça en fait. Donc, je vais revenir ici. Je vais tomber sur un ennemi. Je crois que je suis invincible pour elle. Je suis invincible le premier coup. Voilà, donc ce sera beaucoup plus pratique pour abattre les ennemis. Voilà, donc... Ah mais je suis bête, hein, j'aurais pu aussi voler directement vers elle. Vu qu'il y a encore un peu de chemin à faire, c'est ce que je vais faire. On va miner en attendant. Donc, c'est la maison number 2. Enfin, c'est la maison number 2, ça veut absolument rien dire. Mais c'est pas grave, donc voilà, on vient ici. Et je vais prendre... Élixir de magie, je vais en prendre 2. Voilà, bon j'ai beaucoup moins de sous qu'avant, mais vous allez voir que ça va peut-être servir. C'est pas sûr parce que on n'est pas obligé non plus dans le prochain donjon d'utiliser tout le temps la magie, mais ça peut être un ça sera un avantage. Donc maintenant que ça c'est fait, il va falloir retourner dans l'autre monde. Donc toi tu vas me donner quelque chose. Ouais bon. Il est un peu bugué là le Link, bon c'est pas grave. Et pour cela, on va repartir. Donc au niveau du château pour justement se transformer. Oulala. Se transformer, changer de monde. Bah décidément, hein, je suis en train de me tromper dans tous mes mots. Et vous allez voir quand même que le monde de glace est très sympathique. Par contre, il est... je l'ai trouvé un peu labyrinthique, je me perds assez facilement. Vous allez comprendre. Peut-être pas si j'arrive à tout bien faire sans souci. Donc il suffit donc de passer du côté obscur de la force, c'est parti, hop 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 hop. Oula, je vais me faire avoir. Allez, on se dépêche, donc vous connaissez le chemin normalement hein, pour aller au niveau de la maison. Je vais vous montrer quand même où est le monde 5. Il est ici, donc en bas à droite. Et pour y aller, voilà j'évite tout le monde. Pour y aller c'est pas compliqué, en plus on va récupérer juste avant d'entrer dans le donjon un petit bonus qui ne servira pas malheureusement pour cette vidéo mais servira pour une autre. Je me rappelle plus si je vous ai... Oh non 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 non, je me suis fait avoir. Oh non. Je me rappelle plus si je vous ai montré ce qu'il y a à la place de ma maison maintenant. Je veux des cœurs. Ouais bon pas de cœur. Ah ben je peux avoir un voilà si je veux. Qui me donneront sûrement des cœurs si j'ai de la chance. Donc c'est un monsieur qui vend des bombes. Voilà tout simplement. Je ne sais plus si je vous l'avais montré mais je profite de l'occasion. Allez je veux des cœurs, je veux des cœurs. Vous avez des radins, c'est radin. Est-ce qu'il y a un truc ici? Ici là, je me souviens plus. Alors je revisite un petit peu, il y a des choses que j'ai oublié. Bon c'est comme dans le monde normal ici, il y a des fées. Allez c'est parti, on continue maintenant que j'ai mon pouvoir. Mon pouvoir qui va pas vraiment me servir en fait. Non, 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 on me touche pas. Donc pour... je vais me dépêcher quand même. Alors il faut savoir que, je sais plus si je vous l'avais dit, dans l'autre monde il y a aussi une bombe à mettre ici. Mais ça vous donne juste accès à une grande fée, tout simplement. C'est rien d'exceptionnel. Allez, on passe ici. Donc c'est à droite du deuxième donjon des ténèbres. Il suffit déjà d'aller dans l'eau là. Oh,
J'y crois pas. Oh le bâtard. Et vous allez voir un truc un peu bizarre. Vous allez voir qu'ici ça forme une sorte de cercle. Et vous allez voir qu'il va servir. J'arrive pas là-bas. Puisqu'il suffit d'utiliser le miroir magique à cet endroit. Et on récupère. Oh, c'est quoi cette tricherie? C'est quoi cette tricherie? Je le tape depuis tout à l'heure. Donc on récupère le fragment de cœur, donc il m'en reste plus qu'un. Ah non. Ah, ce miroir, je sais pas, avec la vidéo précédente, ça y est, j'arrête pas de me tromper de bouton ou je sais pas quoi. Donc à partir de là, vous descendez, parce qu'on a fait, on a récupéré ce cœur, et vous venez ici. Là, ici, donc, si vous vous rappelez, c'est dans une des vidéos où j'étais allé augmenter mes flèches et tout ça. Donc derrière ce bloc noir qu'on pouvait pas ouvrir avant, il y a donc un téléporteur maintenant pour aller dans le monde des ténèbres. Pas mal. Donc je vous rappelle, ici c'est la fontaine des fées, une fontaine spéciale où si vous jetez vos objets, vous pouvez augmenter votre capacité de bombes et de flèches. Donc moi elle est au maximum 50 bombes et 70 flèches. Donc j'ai fait ça hors vidéo parce que c'était super chiant. Et voici l'entrée du cinquième donjon. Alors lui, faites gaffe parce que si il vous touche, il prend un objet de votre inventaire. Alors dès que vous rentrez, je vous conseille de prendre votre baguette de feu. Puisque tout simplement, quand vous avez vous approcher, hop, voilà, il y a ce petit bonhomme qui va vouloir vous attaquer. Et la seule moyen de le tuer, c'est le feu. Alors il y a peut-être autre chose pour le tuer, mais bon, dans ce cas-là, on va utiliser la baguette. Romano, les flammes magiques te protégeront dans ce donjon de glace. Bon, c'est un peu logique, on va dire. Mais moi, il ne vais pas utiliser que ça. Donc là, par exemple, faut pas besoin de s'embêter. Vous prenez le grappin de loin, vous les démontez. Il y en a un qui va lâcher une clé. Voilà. Il n'y a rien de plus facile dans ce passage. Vous allez voir qu'il y a des endroits où c'est pas pareil. Hein. Donc on descend les escaliers. Donc le début, c'est pas du tout un labyrinthe. C'est même assez facile de se diriger. Donc là, il y a deux... Voilà, un de moins et un autre de moins. Vous appuyez sur l'interrupteur et c'est parti. À partir de là, bon bah il faut pousser. Vous descendez et là vous préparez votre magie de flamme. Parce que vous allez voir, il va y avoir du beau monde. Et donc, pour éviter de perdre du temps, un petit coup de magie de feu. Et vous pouvez voir quand même que ça m'a pas trop vidé ma barre. Et ce qui fait que... Voilà, en plus on récupère rapidement de la magie. Donc là, trouver la boussole. Ça, c'est la classe quand même. Alors, je vais vous montrer à droite ce qu'il y a. Si je me rappelle bien, il n'y a rien à faire de spécial. Par contre, il y a du monde aussi. Donc pareil, on fait le coup des flammes. Donc, normalement, on ne devrait pas poser de soucis. On devrait récupérer... Voilà, pareil, vous avez vu que ça donne un gros truc de magie. Et vous allez voir que si vous allez à droite, ça ne sert absolument à rien, à part perdre du temps, puisque vous avez donc des blocs et vous pouvez pas passer. Donc il faut savoir que dans ce coffre, il y a la clé du boss. Voilà. Et qui permet bien sûr d'ouvrir le grand coffre. Ouh là là, faut faire gaffe, parce que lui, il fait mal et en plus, il vous prend de la magie. Il est pas là pour rien. Et maintenant, on va pouvoir aller en haut. Alors, ici, tout simplement, s'il donne une bombe, c'est pas pour rien, en fait. Alors, eux, vous pouvez les tuer en un coup avec la baguette de feu. Oh, si je me rate. Ouais, ils crament directement, ce qui est assez pratique, quand même, il faut l'avouer. Et ça leur donne plus souvent des objets, j'ai remarqué ça aussi, que les objets se tombent plus facilement que vous les tuez avec, en gros, le lance-flamme. Voilà, je sais pas si ça va être encore le cas. Voilà, moi, je récupère... Bon, tant pis. Donc, si la bombe est là, c'est pas pour rien, en fait. C'est juste... Voilà. En fait, j'ai fait ça pour... Là, sur le coup, ça servait à rien. Parce qu'en fait, je pouvais exploser... comme ça, par exemple, en jetant la bombe. Mais au final, il faut quand même... voilà, il faut quand même qu'on puisse passer, donc... voilà. Mais bon, avoir pas beaucoup de bombes à ce moment du jeu, ce serait vraiment dommage, parce que... quand même pratique. Alors là... Il va y avoir deux squelettes qui peuvent mourir de deux façons différentes. Que j'ai trouvé moi.
Hein. La première manière, en fait, quand vous allez le taper une première fois, il va s'écrouler. Et là, à partir de là, vous avez le choix. Soit vous avez tous vos cœurs, et avec la petite magie de l'épée, vous allez lui infliger des dégâts. Soit vous prenez la bombe qui le tue en un coup. C'est pour ça qu'il y a une bombe, d'ailleurs. Voilà, hop, vous allez voir. Il y a un squelette, vous lui posez la bombe dans la tête. Là, je vais faire pareil pour lui qui est ici. Et il meurt en un seul coup. Donc, préférez quand même cette technique. Et ils peuvent donner, enfin moi mon record, ils m'ont donné à un moment 4 bombes d'un coup. Ils m'ont donné 4 bombes en les tuant. Donc ça peut être avantageux. Et je vais aller voir ce qu'il y a écrit ici. Tu ne peux pas détruire le chevalier squelette Stalfos avec l'épée seule. Quand il s'écroule, il est vulnérable à une autre arme. Donc, je vous l'ai dit, la bombe. J'ai un peu froid, donc désolé si je tremble un peu avec ma voix. Donc là, il y a une clé, c'est un des... oula. Un des trucs bleus qui a une clé, voilà, c'est lui. Qu'il faut prendre, évidemment. Et là, on va se dépêcher. Alors, je sais plus s'il faut qu'il soit bleu ou rouge, le truc. Mais on va le mettre bleu, on va voir si c'est ça. Non, il faut qu'il soit rouge. Alors, à partir de là, vous voulez le changer de... Vous voulez le changer de couleur, mais vous voulez pas prendre de risque. Vous attendez donc... Pas, en fait, non. Là, vous lancez le boomerang et vous revenez sur vos pas. Vous allez voir que le boomerang, comme vous avez vu, il est parti un peu sur le côté, ce qui fait que ça, sans risque, ça a ouvert le passage. Là, il suffit d'appuyer dessus et de se dépêcher. Donc là, il va y avoir un autre endroit comme ça, beaucoup plus difficile. Mais ça, on verra plus tard. Donc là, vous allez avoir plein de petites bébêtes. Donc, ma technique, j'attends qu'il saute et je fais ça. Bon, j'en ai raté un, malheureusement. C'est pas grave. Hop. Ça sert juste à revenir en arrière si vous le souhaitez. Ce qui va pas franchement servir, mais c'est pour ceux qui auraient loupé la clé. Donc là, les flammes. C'est pas très palpitant comme combat, je sais, mais ça permet de garder des cœurs. Hein. Parce qu'il y a des endroits qui sont un peu plus compliqués dans ce donjon. Donc il faut faire gaffe. Donc vous pouvez voir quand même qu'à chaque fois, il vous donne pas mal de recharge, donc faut vraiment pas hésiter, surtout si vous avez le demi qui va beaucoup servir. Alors là, un conseil, je crois qu'il n'est pas la peine pour l'instant d'aller en haut, parce qu'en haut la porte va se refermer et une fois qu'elle sera refermée, en fait vous allez tomber dans un trou. Voilà. Oh là là, il faut attendre que les flammes passent, parce que sinon vous allez prendre un coup, surtout que c'est vraiment pas facile de... Franchement, je vous dis, c'est pas facile du tout de prendre des escaliers. Vous avez vu qu'il y a eu du mal. Alors là, il faut savoir que... C'est pour ça que je vais pas rester ici. Que pour atteindre le prochain coffre, ce sera cette salle qu'il faudra prendre. Voilà. Il faudra penser à revenir ici quand on aura la clé. C'est très important. Donc nous, on va voir ce qu'il y a ailleurs. On va faire demi-tour. Quand même, on va voir s'il n'y a pas autre chose intéressante. Ouh, j'ai failli me prendre des piques. Donc pas aller en haut pour l'instant, ça sert à rien. Hop, donc là vous faites... Bon, on peut faire ça aussi pour pas vous faire attaquer. Ah mais c'est vrai qu'on n'a pas de clé là. Bon, allez, tant pis. On va tomber ici. C'est pas grave, c'est pas grave. Et je vais essayer d'aller là pour voir s'il n'y a pas... Et il y a un cœur, ça me va. Et bon, oh là là, je prends un cœur, je me fais avoir. J'ai oublié qu'il fallait une clé à droite et qu'on n'a pas de clé. Donc là, c'est à partir de là que je trouve qu'un peu labyrinthique, je sais jamais où il faut que j'aille. Oh, donc là, hein... Magie de flamme, ça va le tuer d'un coup. Aïe 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 aïe. Et voilà, tout ce qu'on aurait pu récupérer. Enfin, on peut quand même récupérer en faisant ça. Pareil pour le cœur. Ouf. Donc vous pouvez voir que tout est fermé, hein. Malheureusement, on continue. Hop. On va essayer de voir ce qui peut nous intéresser ici. Donc là... Hop. Alors je me suis pas fait toucher, mais c'était pas loin, hein, faut l'avouer. Voilà. Ouf, ouf, ouf. Alors ici, c'est un endroit qui est assez drôle. Vous allez comprendre. C'est que là, vous dites, mais comment on fait pour passer, c'est pas possible. Et il y a une technique. Voilà. Simplement, c'est d'utiliser le grappin. Et là, en dessous, on dit, mais qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc... On voit qu'il y a un interrupteur, donc on l'utilise. On voit un coffre, on se dit, bon, bah, tiens, c'est sympa. Donc on va aller voir le coffre, donc avec le grappin, on passe de l'autre côté. On regarde qu'il y a dans le coffre. Donc il y a une clé. Là, on est content, mais on se dit, mais si on va aller à droite, comment on fait? Une technique simple, vous avez vu qu'il y a des pics. Vous pouvez passer en force, mais vous allez perdre beaucoup de cœur. Donc,
prenez la cape magique et vous pourrez passer par dessus sans prendre de dégâts, et vu que vous marchez pas beaucoup vous perdez pas trop de magie, donc ça va. Donc là comme je vous dis c'est un peu labyrinthique, je sais jamais à quel côté aller ou pas. Par exemple là je sais plus si c'est là qu'il faut aller, mais bon. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu labyrinthique ce passage, rien que pour ça. Donc là vous pouvez voir qu'il y a le truc de lapin qui veut m'attaquer. Oula, et il y a le squelette que j'avais complètement oublié dans ma vie. Ça arrive. On récupère. Hop, on a un coffre ici, oui c'est vrai, j'avais oublié qu'il y a un interrupteur. Hop là. Et vous pouvez tirer la langue pour ouvrir la porte. Alors là, j'espère que je fais pas un peu n'importe quoi. Donc là on a le plan. Et à droite, qu'est-ce qu'il y a? Je sais plus ce qu'il y a. J'aime bien tirer la langue, moi. J'aime bien. Ah ben, c'est parfait. En fait, c'est tout à fait parfait. J'avais pas m'être trompé de côté, mais pas du tout. On a donc la grande clé, la clé du boss. Ça, c'est super la classe. J'avais complètement... Je m'étais complètement pas trompé. Voilà. C'est juste la classe. Allez, continue. On va voir ce qu'il y a du côté de la clé. De la porte fermée. Donc le grappin pour passer de l'autre côté sans perdre quoi que ce soit. Voilà. Et on continue. Et voilà, on se retrouve ici. Alors, vous vous rappelez donc pour aller récupérer le coffre où il fallait aller. Donc tout simplement, on va passer de l'autre côté. Donc voilà, on a fait le tour, on a la clé du boss, ça se passe mieux que ce que j'espérais au départ. Donc tant mieux. Alors sachez que le boss, je trouve que c'est un des boss les plus faciles du jeu. Alors pour un cinquième monde, c'est un peu dommage on va dire, mais pour moi c'est l'un des plus faciles. Donc si vous tombez dans ce trou là, vous allez tomber dans la salle du coffre, mais pas du bon côté. Vous allez comprendre dès que on va sauter au bon endroit. Donc on récupère des bombes ici. On va dire c'est logique, hein, puisqu'on en a besoin. Il n'y a pas tout ça par terre pour rien. Il suffit de poser sur cette marque ici. La deuxième par contre du haut. Voilà. Et on va récupérer le nouvel objet. Qui, l'air de rien, ne va pas être pratique pour ce donjon en général, mais pour la suite globale. Vous allez comprendre. Tu as trouvé la cote de maille bleue. Elle réduit les blessures qui te sont infligées par l'ennemi. Donc, voilà, au lieu de dire qu'ennemi m'enlève de cœur, il m'enlèvera qu'un, etc. etc. Donc, ce sera beaucoup mieux. Et quand on arrive ici, on se retrouve donc dans cette pièce qui va être très très importante, avec la clé du boss au-dessus, qu'on va utiliser. Mais je vais d'abord vous montrer ce qu'il y a ici, hein. Quand même. Donc il y a un interrupteur qui se trouve en haut à gauche. Ouh, il m'a eu. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Et je voulais repasser. Je vous ai dit qu'il y a des endroits qui étaient plus durs. Bah, il y a ce passage là par exemple. Et qui combine avec ce passage là qui est juste horrible. Alors n'essayez pas d'utiliser la cape pour vous dire peut-être que bon, on craint pas les pics. On va utiliser la cape pour pas glisser, mais on glisse quand même. Malheureusement on glisse quand même. Et là ça va être super chaud, parce que là je vais presque crever. Et je vais crever, voilà. En sachant que j'ai pas une manette très optimale pour un Zelda, alors ça va être encore pire. Alors après il est possible d'aller vraiment très doucement, mais vous avez encore plus de risques de vous faire toucher par la flamme. Yes. Non, 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 oui, oui. Alors, je sais plus si lui il s'ouvre ou pas. Non. Donc là, il va y avoir un interrupteur avec un coffre. Il y a énormément de coffres dans ce truc, hein, vous avez pu remarquer quand même. Donnez-moi des trucs mignons. Ouais, c'est bien des cœurs, c'est bien des cœurs. Par contre, j'aurais besoin de rencontrer les espèces de crocodiles ou je sais pas. Ah non, voilà, je voulais ça en fait. Voilà, on va passer devant ces trucs. Il n'y a que celui d'en haut qui se s'ouvre à nous. Qui veulent faire des bisous. Voilà, hop. On va pouvoir utiliser notre clé qui va nous ramener en fait. Ah, voilà. Oh oui, bien monsieur, bien. Qui en fait va nous ramener ici. En fait, ici c'est on n'était pas venu là, je crois encore. C'est un endroit qu'on revient assez souvent dans ce donjon, en tombant par exemple
à certains endroits, ben... Oh là là. Il faudrait retomber ici. Alors, je me rappelle plus ce qu'il y a ici. Donc oui, voilà. Alors, ça rejoint la salle où on est allé... où on a mis la bombe pour récupérer le coffre. Ça rejoint. Oh, mais... Oh, ça, c'est dégueulasse. Il faut que je trouve des cœurs. En même temps, je fais absolument n'importe quoi. C'est totalement ma faute. Mais il y a un cœur dans ce truc-là que je vais récupérer volontiers. Voilà. Ouf, là, 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 là. Et là, on a un nouveau message. Romano, n'utilise pas tes pouvoirs magiques si tu ne possèdes pas l'élixir de magie. Maintenant, prépare-toi à partir dans les profondeurs de ce donjon. Donc, l'élixir de magie, c'est bien entendu ce qu'on a dans les flacons. Et on revient ici si on était venu tout à l'heure. On va refaire le feu puisque on a de quoi faire. Et maintenant, on va continuer au niveau de la clé du boss. Je fais un petit détour pour rien. Au final, c'était pas du tout obligatoire de passer ici. Mais au moins, vous aurez tout vu. Je pourrais pas dire le contraire. Bien. Allez, allez, on se dépêche. Voilà, vous avez vu ça? Ça, c'est de l'esquive. Hein. C'est de l'esquive professionnelle, ça, messieurs, dames. Mesdemoiselles. Ok, je me trompe de côté, super, hein, le mec il connaît bien le jeu. Allez, on va essayer de se dépêcher. Non mais je fais absolument n'importe quoi moi. Oh là 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 là, non mais il suffit juste de tomber. Alors ça a super bien commencé, j'arrivais à tout trouver trop bien. Et d'un coup, ça y est, ça me... Bref. Voilà. Donc je vais aller là. Je suis sûr que je vais encore me tromper. Pire, si je me trompe encore, ce sera l'occasion de faire de l'accéléromètre. Oh, je comprends pas pourquoi là il prend pas le... Il va pas dans... sur l'escalier là, je comprends pas. J'étais au milieu, parfait, et parce que je glissais un peu... On va tomber là. Voilà, c'est là que je voulais aller. Et voilà, on est au bon endroit, ça y est. Ouh là là, je me fais attaquer. Oh mais... Ah et normalement ça le fait valdinguer. J'ai pas risqué d'aller ici, on va monter. Donc vous pouvez voir que déjà je perds un peu des cœurs. Bon j'ai perdu des cœurs pour rien, il faut l'avouer. Hein. Un cœur. Donc là hop, vous n'êtes pas obligé de vous occuper de lui, hein. Vous pouvez vous barrer. Hein. Donc, pas non plus rester 10 000 ans avec ce squelette. Oh là 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 là, c'est vrai que lui fait ça tout le temps. En fait, c'est plus facile. Le truc le plus facile à éviter, je me le prends. Donc eux, facile pour les tuer. C'est juste. Ouh là là, alors sachez qu'il est plus lent Il est plus lent à la verte, à l'horizontale. Donc n'hésitez pas. Oh là là, mais il m'énerve lui. Je fais absolument n'importe quoi. Alors, vous allez voir qu'il me manque une clé, parce que je suis trop fort. Il me manque une clé. Et je vois pas où je l'ai raté. Alors ça, c'est magnifique. Je m'en fous, je passe en force. Je me rappelle pas où je vois pas où je l'ai raté, c'est un truc de malade. Où est-ce que je l'ai raté? Est-ce que c'est pas lui qui en donne? Attendez, je pensais pas avoir oublié une clé quelque part. Où est-ce que j'ai raté une clé? Là, je suis perdu. On va aller à droite. Oh là là, je me fais... Ah ben, elle était là, purée. Elle était juste à côté, j'y crois pas. Oh là là, j'y crois pas. Elle était juste à côté. Je suis dégoûté parce qu'il va falloir que j'en fasse un tour. Ou pas. Non, toi tu vas pas plus loin. Voilà. Ouf. Ah, oh, je me suis dit mais il y a un souci là, mais j'avais, c'est vrai. Comme quoi il faut toujours ouvrir tous les pots qu'on trouve. Hein. Il faut toujours tous les soulever ou les têtes de mort, ça dépend des endroits. Donc là, passez sur la gauche, vous êtes absolument tranquille. Faites pas comme moi. Et là, je commence à manquer de magie. Alors j'espère que je vais avoir un truc qui va m'en donner. Vous pouvez voir que donc hein, c'est fermé, donc il va falloir mettre un bloc dessus. Alors il y a un objet plus tard qu'on aura qui permet de créer des blocs, mais on peut pas l'avoir pour l'instant, donc ça sert à rien d'y penser.
Voilà, il suffit. Ah, j'avais oublié lui. Voilà, donc je vais taper hein, pour changer en fait le cours du temps. Ça c'est bien ça, ça c'est bien monsieur. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir se servir de blocs qu'on a vu un peu plus haut, qui était bloqué à cause de justement qu'il fallait appuyer sur ces interrupteurs là pour changer le sens. Voilà, donc c'est un cran en dessous. Et là vous allez me dire, ben voilà, ça y est, il a plus qu'à pousser un bloc, mais vous pouvez voir que c'est bloqué de ce côté, et c'est pas pour rien en fait. Je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir pousser sur ce studio, ouais. Mais si vous y retournez, en fait, vous ne pourrez pas du tout pousser le bloc. C'est un faux bloc, vous irez voir, enfin, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et donc, il va falloir pousser les blocs de l'autre côté, et pour cela, je vais pas vous dire, il faut aller retaper sur l'interrupteur, puisque non, on va revenir comme tout à l'heure, c'est-à-dire là, on sera bloqué, et on pourra pas pousser de l'autre côté. Donc, il faut tomber. Ah non, il faut pas tomber. Ouf, oh là 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 là. Donc, je vais vous montrer, si vous essayez de pousser vers le bas par exemple, voilà, vous pouvez voir que vous pouvez plus le pousser du tout, donc c'est totalement n'importe quoi. Hein. Et moi je saute comme un grand là où il faut pas. Je vous ai dit que ce monde il était sympa, mais que ça faisait un peu labyrinthe l'air de rien, donc voilà. Donc pour cela, il faut passer à droite, cette fois ça va servir. Je vais essayer de faire gaffe de pas me faire toucher. Il m'a touché, j'ai lâché, ça l'a tué, ça c'est la classe quand même. Bien sûr, il n'y a rien à récupérer ici, quand même, mec. Non, 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 non. Et là, le plus chiant, c'est ça, c'est le côté... Bon, ben, on va essayer de pas se faire... de pas tomber. On va essayer, je vous promets rien du tout. Donc, je trouve que moi, je le trouve génial, ce donjon. Mais, voilà, j'aime bien les mondes de glace, j'aime pas quand ça glisse. Sauf dans Mario, je trouve ça délirant, mais dans ce jeu-là, non. J'aime pas. Bien. Il n'y a que l'interrupteur, hein. Ouais. Donc en gros, on va faire le tour, hein, tout simplement. Là, on vient de remonter, un étage, donc ça, c'est bien. Et là, par contre, j'aimerais bien voir s'ils peuvent pas me donner quelque chose de plus intéressant. Rien du tout, c'est tous des radins dans ce donjon. Et toi? Radin aussi. Allez, on continue. Voilà, et il suffit donc... Gnark, 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 donc là, on va encore se taper eux, là. Eux, franchement, ils sont super chiants. Alors, je sais pas si je peux pas essayer. Oh, oh là là, le fail. Ah, mais le fail. Yeah, le cœur. Ah, le fail que j'ai fait, là. Quelle honte. Ok. Pour moi, je me fais toucher, là. Mais bon, hein, après, la hitbox est un peu spéciale. On va y arriver. C'est moi, je fais absolument n'importe quoi, mais franchement, je fais des détours, mais pour rien, c'est un truc de malade. Parce que je suis totalement perdu. Je suis perdu dans ce donjon, je l'aime bien, mais je suis perdu. Et là, pourquoi il rentre pas quand j'appuie? Je vais pas y arriver, je vous le dis, je vais pas y arriver. Je sens que vous allez zapper en vous disant, mais il est nul ce mec, c'est pas possible. C'est tout con. Voilà, ça y est, ouf. Ah bah dis donc, là il suffit de pousser celui du bas. Toi, non, tu m'approches pas toi. Tombez, ne l'attendez pas. Hein, voilà. Voilà, vous tombez dessus, mais au moins, voilà, vous pouvez le pousser d'un cran. Voilà, j'ai quasiment tout à fond. Bon là, je vais passer. Donc on arrive à la fin du donjon. Essayez de tout s'étouffer pour pas être embêté. Voilà. Donc là derrière vous allez avoir des ennemis. Voilà. Et que vous faites avoir quasiment obligatoirement. Hein. Donc ne vous attendez pas à les esquiver. Même dans l'entrée vite, vous ferez toucher. Donc on récupère tout ce qu'on peut. Voilà. Vous pouvez tirer ça.
Et si vous voulez ressortir parce que vous avez oublié quelque chose qui m'étonnerait fortement, hein, puisque vous avez tout, hein, vous pouvez tirer ça et vous pouvez repartir. Mais au final, ça vous sert absolument à rien puisque vous êtes à la fin du niveau et que ça veut dire que vous avez globalement utilisé toutes vos clés. Hein, logiquement. Donc c'est parti, on va soulever ça et on va se taper le boss. Alors, pour le début, il faut absolument la baguette de feu. Je sais pas si ça peut marcher autrement, parce que j'ai toujours utilisé la baguette de feu, mais elle va être super utile. Voilà, et c'est parti. Donc, pour le début, il va falloir casser ça. Alors, je n'ai pas compris pourquoi ils ont pas mis du sol glissant ici. Parce que ça aurait été logique. Alors, vous pouvez voir que, une fois sur deux, ça change de sens, les trucs quand ils explosent. Voilà. Donc là, ils vont les éparer en 3. Alors, quand je vous dis que c'était facile, c'est qu'il suffit de bourriner comme un fou avec ça, et vous réussissez. Voilà. Vous pouvez voir que... hein, encore un coup. Voilà, touché. Là, hop. On peut utiliser l'épée pour les battre aussi, évidemment, mais bon. Profitons d'avoir... ah, je me suis fait toucher. Profitons d'avoir... d'avoir de quoi faire pour les battre. Alors après, là, quand vous l'avez touché une fois, vous pouvez vraiment les bourriner pour les avoir. Et donc... tout simplement, c'est un des boss les plus faciles du jeu, je vous avais pas menti. Allez, on récupère le cœur, le cristal, parce que je disais cristaux avant, et on va voir ce que la princesse qui est enfermée va nous dire. Je trouve comme ça que Link, il a un beau rouge à lèvres. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'il a un beau rouge à lèvres sur la bouche. Vous me faites toujours délirer ça. Mano, grâce à toi, je peux m'échapper des griffes des diaboliques monstres, merci. Ils disent que les Iliens ont de mystérieux pouvoirs comme les sept sages. Mais le sang des Iliens s'est appauvri avec le temps. Nous qui sommes de la lignée des sept sages, nous ne disposons plus nous-mêmes de pouvoirs développés. Nos pouvoirs augmenteront si nous allions le courage des chevaliers à la sagesse des sages. Il reste encore peu de temps avant la brèche entre les mondes de la lumière et des ténèbres. Avant que la brèche entre nous ne s'élargisse, si tu vaincs un homme, ce monde disparaîtra et la Triforce attendra son nouveau possesseur. J'ai foi en toi. Courge, courge. Tu as compris? Oui, oui. Oui. Puisse son chemin mener le héros à la Triforce. Blablabla et blablabla. Je fais bien la voix de fille, hein, vous pouvez remarquer. Et donc voilà, on a terminé. Toi, je te déteste, tu m'as volé plein de fois mon bouclier, espèce d'enfoiré. Ah, Dieu bien. Voilà, donc on a terminé le cinquième donjon des ténèbres. Alors, je vais vous dire, le sixième et le septième donjon, je les ai fait, mais comment dire, c'est pour moi les donjons les plus chiants, difficiles. Surtout le septième. Le sixième, c'est juste que c'est un petit peu labyrinthique aussi, et que le boss... bon, il ressemble un peu à un boss qu'on a déjà fait, mais vous verrez ça plus tard. Mais le monde 7, mais le... enfin, le monde, le donjon numéro 7, mais c'est un calvaire pour le faire. Mais vous comprendrez quand j'y serai. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous donnera envie de jouer à ce magnifique jeu. Il ne manque plus que deux objets quand même. Hein. Vraiment, vraiment, j'espère que vous allez y jouer parce qu'il est super, il est super. Voilà, donc n'hésitez pas à passer sur amatest.com et amatest.xoid.fr et je vous dis à la prochaine pour la suite de ce walk ou d'un autre. Salut !